Les amis, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Suisse, dans le Valais, au glacier de Moiry. Voilà, donc là je suis encore en vacances. Il y en a qui ont la belle vie. Hein. Ouais, bref, alors juste pour dire que après cette semaine-là, je serai de retour sur la chaîne avec les nouvelles vidéos plus survivalistes. Donc là, comme il n'y a pas eu le guide de survivalisme ce mois-ci, je vais voir pour faire une vidéo un peu spéciale guide de survivalisme en montagne, en altitude. Bon, je vais voir ce que ça donne les rushs que j'ai fait ce matin, hein, enfin ce midi. On verra comment que ça donne. Et puis j'ai encore de quoi filmer pendant un petit moment. J'ai encore une bonne petite semaine, une demi-semaine on va dire. Donc j'ai de quoi filmer encore. Bon, je verrai pour faire une bonne grosse vidéo. Bon voilà, tout ça pour vous dire que les vidéos ce mois-ci, hein, comme je vous l'avais déjà dit, sont un peu faibles en niveau survie. Mais voilà, après ça permet aussi de se ressourcer, de prendre voilà. Au mois d'octobre, on partira de nouveau sur les guides du survivalisme. J'essaierai de prendre l'avance. Et puis, au fur et à mesure, on recommencera les vidéos sur le sac d'évacuation, sur le véhicule d'évacuation. On fera des vidéos de survie. Et puis, on fera aussi une simulation de survie mois de novembre, mois de décembre. Il fera bien froid pour se faire plaisir, on va dire. Voilà, pour vous montrer les petites choses à voir, à savoir. Bon, voilà, là, je suis dans un super beau décor. Il y a vraiment un temps bizarre, il neige, il fait beau, voilà, voilà, donc là, il y a le ciel bleu, et là, il fait tout gris, voilà, c'est les joies de la montagne, hein. C'est les lois de la nature, voilà, les amis, petit vlog très court, mais voilà, je vais pas vous raconter 20 fois, j'ai pas eu le temps de faire mes vidéos ce mois-ci, ça vous le savez déjà, bon voilà, vous allez avoir droit à de belles images, de belles vidéos, et puis voilà. Je n'ai pas encore eu le temps de vous parler de la conférence de Piero San Giorgio à Clermont-Ferrand ce mois-ci. Je n'ai pas eu le droit de... Enfin, je n'ai pas eu le droit d'enregistrer, voilà. Donc c'est dommage parce que j'avais prévu de mettre la conférence sur la chaîne. Bon, malheureusement, voilà, j'ai pas pu. Bon, tant pis, hein, c'est les choses qui arrivent. Alors pourquoi? C'est juste parce que Piero commence à dire des choses qui sont vraies. Enfin, il a toujours dit des choses vraies, mais c'est des choses qui peuvent peut-être gêner par les gens qui ne veulent pas avoir la vérité. Donc problème, si j'aurais filmé, j'aurais pu peut-être mettre certaines séances de vidéo. Et ça aurait pu sortir de son contexte qu'ils ont préféré ne pas filmer. Alors, il y a quand même eu un enregistrement. Bon, j'essaierai de vous mettre le lien vers la chaîne sur laquelle ça sera diffusé. Voilà, j'ai bien eu le retard, effectivement, mais je n'étais pas à la maison du tout, en fait. Hein, donc, je suis parti à Clermont. J'ai eu quelques heures de repos, puis je suis parti en Suisse, où je séjourne un petit peu depuis quelques jours maintenant. Là, vous avez droit à de beaux... un beau paysage, voilà. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis dans la vie il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao les amis.